Vous êtes sur le chemin de travers pour la troisième étape ce soir, ce dimanche soir. Vous nous écoutez partout, de partout au Canada. Et nous allons parler d'une région en particulier, donc présenter une région mythique aussi à nous tous, à notre attention à nous tous, la création de la région folklorique de Charlevoix. Évidemment, c'est pas juste parce que Charlevoix, on a toujours dit c'est injuste parce que c'est un endroit formidable avec des montagnes, des côtes, des descentes. Là où les Laurentides plongent dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est gênant pour les autres régions qui sont plats, qui ont des vieilles collines cambriennes. Alors, Charlevoix, évidemment, c'est une région qui est spectaculaire et belle au départ. Notre invité est Serge Gauthier, qui est historien et ethnologue. Ça, sympathique, ethnologue, ça, j'aime ça. Certainement. Oui. Docteur en ethnologie historique, président de la Société d'histoire de Charlevoix, chercheur au Centre de recherche sur l'histoire et le patrimoine de Charlevoix. Charlevoix, vous l'avez dans le sang, vous avez écrit des livres et tout ça. Je vous souhaite la bienvenue tout de suite, Serge Gauthier. Ben, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, puis bienvenue au microphone des Chemins de Travers. Là, je ne vous laisserai pas parler beaucoup, je sais que vous allez partir, là, puis parler. On va écouter... Quand même, écoutez, on va se laisser le temps de démarrer. Mais vous avez écrit l'histoire de Charlevoix aux éditions de l'EQRC, donc c'est toute une référence. Oui, c'est la collection des histoires des régions du Québec où on a dû travailler pour justement imposer Charlevoix parce qu'on disait, ben, vous êtes dans la région de Québec, mais Charlevoix est une région à part entière. Oui, donc. Ben oui, absolument. On ne peut pas dire vous êtes dans la région de Québec. Mais oui, Charlevoix, c'est Charlevoix. De plus en plus, mais je pense qu'il faut le travailler pour ça. C'est pas aussi à qui qu'on pense. C'est ça qui est un peu le défi. C'est ça. C'est une belle région de montagne, je vous le dis tout de suite. C'est une belle région de montagne. Allez-y si vous ne la connaissez pas. C'est pour ça qu'on a nommé les Indiens montagnais, parce que c'était les Innus de la région de Charlevoix qu'on a connus en premier dans l'arrière-pays de Québec. Oui, c'est pour ça. Mais c'est des Innus qui aujourd'hui sont disparus et sont morts depuis fort longtemps.
gare. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. C'est le destin. Eh bien, Serge Gauthier, bienvenue. On n'aura pas assez de cette heure, qui est la troisième heure sur les chemins de travers, pour parler de l'immensité de Charlevoix. Oui, je pense qu'on va manquer de temps. C'est une belle région. Alors, je dois dire pour les auditeurs que vous avez amené tellement de bouquins. On se penserait à la table de Bernard Pivot dans l'ancien temps, quand Pivot était tout petit, puis les piles de bouquins menaçaient de l'écraser. Mais ce sont vos bouquins, des études de toutes sortes, et on va parler de tout ça. On va commencer par une question, Charlevoix, et je l'ai lu dans un de... C'est le père Charlevoix qui... Le nom vient de... Absolument, le nom vient de la circonscription électorale. À l'époque, en 1855, on cherchait un nom, et puis on a choisi le père Charlevoix. C'est merveilleux, un historien. Le premier historien de la Nouvelle-France, en fait. Là. Et donc, on est très fiers de ce nom-là. Mais souvent, les gens ne le savent pas, mais ça vient vraiment du père Charlevoix. C'est ça, le père Charlevoix qui a écrit l'histoire brève de la Nouvelle-France. Il était en commission du roi pour faire rapport sur l'Amérique française. Très peu parlé de notre région, sauf quelques petites erreurs même, je dirais. Mais au moins, on l'a fait. Il disait, entre autres, qu'on avait des pains qui ne cassaient jamais. Mais en fait, pas très différent de ceux des autres endroits. Oui, des beaux pains. Mais quoi qu'il y a eu de la coupe de bois dans l'histoire, de la belle coupe de bois. On faisait de la goudronnerie, du goudron. C'était très impressionnant, mais on a gaspillé beaucoup ces pains-là. On utilisait simplement qu'une petite partie, puis on jetait tout le reste. Ça s'est fait partout. Ça s'est fait dans ma région de la Rivière-Rouge, puis des Laurentides aussi, où on gaspillait le pain. Maintenant, on va parler de Charlevoix. C'est une région qui est privilégiée, je le disais un peu à l'avance. C'est très, très beau. Il y a du relief. Oui, mais pas à l'origine. Vous savez, quand les premiers découvreurs arrivent, on parle du père Charlevoix, mais avant ça, il y a eu Champlain, il y a eu Cartier. On ne trouve pas ça si beau que ça, on trouve ça un peu épeurant. C'est ça, il n'y a pas de remarque sur la beauté. Non, pas du tout. Au départ, là, c'est même négatif. Vous savez, juste avoir la toponymie, la Malbaie, la baie des Rochers, la rivière du Gouffre, imaginez. Toute petite autour de Baie-Saint-Paul, mais c'est la rivière du Gouffre. Alors, on a l'impression que c'est impressionnant. Le Cap Tourmente qui inaugure un peu la région, dans le fond. Alors, c'est quelque chose. On dit le Cap Tourmente jusqu'au Cap Éternité, Charlevoix. Donc, il y avait un historien qui disait ça va de l'enfer au ciel. Mais c'est parce qu'ils étaient sur leur... C'est ça, ils étaient sur leur navire et ils ont eu cette crainte d'une nature qui les dépassait, finalement. Oui. Probablement beaucoup de résineux. À l'époque, on se met dans les bateaux de Jacques-Cartier, voire de Champlain. Il y a de la dénivellation, il y a de la montagne. C'est très impressionnant. Donc, La dénivellation, ça a joué beaucoup. Vous voyez les montagnes très hautes. Et puis, évidemment, entre autres, Pierre Boucher qui écrit là-dessus, il dit « tout est inhabitable, cette région-là, à part un secteur qui appelle Baie-Saint-Paul et l'île aux côtes. L'île aux côtes sur une île, il trouvait que c'était bien. Mais à part de ça, le secteur, la région, là, alors ça dure longtemps, cette réputation-là. Ah ouais? Ouais. Et tout d'un coup, après la conquête anglaise, où nous, on a eu les seigneurs écossais qui sont venus. Et donc, après ça, il y a une industrie touristique, la villégiature. Et ça tourne, on voit les mêmes paysages et ça devient tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'on admire ça et le même paysage qui rebutait les marins. Tout d'un coup, pour les villégiateurs et touristes, devient merveilleux. Je dis, on passe du terrible, comme c'était le mot qu'on utilisait dans le temps, paysage terrible, milieu et merveilleux. On passe du terrible au merveilleux. C'est pour ça qu'il y a eu les tremblements de terre aussi, il y a eu la météorite. Si on a un paysage aussi spécial, c'est la fameuse météorite de 350 millions d'années qui a fait que Charlevoix est un territoire sur un cratère météoritique pour une grande partie de la région. Qui fait que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que le paysage surprend, mais c'est en partie dû à ça. Alors donc, on a cet héritage-là aussi. Et c'est quand même impressionnant, une météorite, des tremblements de terre. Ça surprend.
Bon, ça veut dire que les roches cambriennes sont sur le parti. Probablement, oui. Puis même encore récemment, vous voyez, c'est revenu la question du tremblement de terre avec les hôpitaux qu'il fallait démolir. Et ouais. Maintenant, le ministre a rechangé d'avis. Mais on gâte ça et puis ça accroche la notion de... disons, de peur autour de Charlevoix, est un peu revenue. Mais elle était disparue longtemps, parce qu'évidemment, quand on fait du tourisme, on ne veut pas faire peur aux gens. Et là, le discours change et ça devient merveilleux, fantastique. Paysage attirant, unique en Amérique du Nord, climat spécial. Mais ça, c'est quand même particulier dans la région du Québec, là, de la province de Québec. C'est quand même particulier. Vous dites, il n'y a pas de colonisation, parce que c'est vrai qu'on est dans des régions d'altitude, donc dans des régions de conifères. Les conifères, traditionnellement, au Québec, nous effraie, hein, les épinettes, ça nous effraie. On voudrait des arbres brocolis, là, des érables, des hêtres, tout ça. Là, mais là, on n'y va pas. Mais ce sont les touristes. Et en plus, les touristes écossais. Alors, les fraiseurs et tous ces gens-là là, et d'autres qui vont venir s'installer dans des microclimats. Des vallées. Malgré que, au temps des Français, Charlevoix, les premiers habitants, c'est 1675. Hein, donc, il y en a quand même qui se risquent. Il y en a quand même qui y vont. Et les gens s'installent tranquillement. Ben, il y avait besoin de terres à l'époque. Donc, on avait les terres du séminaire de Québec et les gens avançaient tranquillement. Mais au départ, les pères du séminaire, eux, voulaient se garder le secteur forestier pour eux. Ce qui fait qu'on ne poussait pas la colonisation. C'était rentable. Et par la suite, ben, on a eu des colons, des gens qui sont établis, Baie-Saint-Paul, tout le secteur, ouest de Charlevoix, disons Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière, ça c'est un secteur qui a été peuplé sous le régime français. Et là vous avez les familles Tremblay, Simard, Gauthier comme nous autres, et plusieurs autres là, qui sont les mêmes familles. Et quand on regarde le tissu social de Charlevoix, c'est trentaine, quarantaine de familles sous le régime français qui, par la suite, avec le passage des Écossais, le secteur de la Malbaie qui s'ouvre davantage, vont continuer à monter tranquillement. Ils montent même jusque sur la Côte-Nord par la suite. Mon ancien collègue qui est décédé, je le salue, Bernard Arcan, se moquait toujours de moi en disant que dans Charlevoix, il y avait un petit endroit qui s'appelait Misère, un petit village qui s'appelait Misère, puis juste à côté, il y avait un autre petit village qui s'appelait Bouchard. Puis il disait que ça marchait bien ensemble, ça. La misère des Bouchards. C'est notre premier habitant, Claude Bouchard. C'est le premier habitant de Charlevoix, c'est le Claude Bouchard en 1675. Alors, c'est votre ancêtre, probablement. Non. Moi, je suis un néo-canadien. Il y a sept Bouchards qui sont venus au Canada. Ah, bon, bon. Alors, donc, c'est une famille très importante pour Charlevoix. Ouais. C'est pas la même ligne que vous. Plus ils arrivaient, plus ils étaient beaux garçons. Ah, probablement. C'était la loi. Ça s'est passé comme ça. On va continuer à parler de Charlevoix. Ce n'était qu'une introduction, mais là, on va parler de la folklorisation de cette superbe région, parce qu'elle a été très étudiée, la région. Je voudrais que vous me parliez, on va quand même faire une pause, mais je voudrais que vous me parliez des Écossais qui vont avoir des seigneuries, puis finalement, puis qui vont exploiter des microclimats. Puis finalement, toute cette culture d'une région qui est finalement très particulière au Québec. Absolument. Hey Lou, viens ici deux secondes. Qu'est-ce que t'as, ma blonde? Sais-tu ton cœur ou ta tête qui te fait de l'ombre? Hey Lou, c'est ce qui serait cool. Mais qui serait temps, c'est que pour une coupe de jour, toi et puis moi, on sac notre cœur. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça, si j'insistais pour nous amener la bonne? J'ai pas de luxe à t'offrir, mais je t'aime à mourir. Toi, y a des soirs, tu me fais peur. J'aime pas ça quand tu pleures. Hey Lou, t'es tellement, tellement belle, jour et nuit, comme une rivière dans son lit. Pour fuir le monde,
juste pour se retrouver, toi et moi. Se prendre une petite bière, marcher dans le bois, puis faire des bébés. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça? Si j'insistais pour nous amener là-bas, Lou, j'ai pas de luxe à t'offrir, mais je t'aime à mourir. Toi, y a des soirs, tu me fais peur, j'aime pas ça quand tu pleures. Alors, je vous rappelle que je suis en compagnie de Serge Gauthier. Nous parlons de la... Bon, on appelle ça du pays de Charlevoix. On va l'appeler comme ça, le pays de Pourquoi Charlevoix. Pas? Ben, c'est parce que moi, le mot région, il me fait perdre des cheveux. J'en ai pas à perdre. J'en ai plus à perdre. Alors, tout ça pour dire que c'est une région qui va être folklorisée. On va créer le concept. C'est un grand concept. Et j'aimerais ça qu'on... parle de Marius Barbeau. Là. Peut-être dire quand même que la villégiature, le tourisme, a joué un élément majeur là-dedans, évidemment, un rôle important, parce que les gens admiraient, et donc on voulait créer une sorte de mythologie, parce que c'est, quand vous partez en vacances, vous voulez pas avoir de l'ennui, alors vous voulez du rêve, vous voulez des contes, et on en a fourni. Alors les compagnies, entre autres la Richelieu Ontario, qui avait les fameux bateaux blancs... Là, que j'ai connus. Que vous avez connus. Oui, pas la Richelieu, sur le mais la Canada Steamship Line par la suite. Oui, là, oui, la, oui, Canada, la CSL. Alors eux, ils distribuaient les livres, et donc Marius Barbeau a été amené comme ça à collaborer avec ces fameuses croisières-là et à écrire des récits. Et là, il s'est, disons, en quelque sorte, il a folklorisé un peu le discours autour de Charlevoix. Dans le cadre du tourisme, ce sont des gens riches, très riches. On les voyait dans les téléromans, Le temps d'une paix, il y a des téléromans célèbres ici à Radio-Canada. Absolument, très beau téléroman. Oui, c'était très beau. Mais on voit des gens riches qui viennent, sont soit américains, sont anglais, c'est des britanniques, ils ont vu la beauté, ils ont des domaines, ils s'installent. Oui, et parce qu'évidemment, dans ce temps-là, on dit que les villes américaines étaient très polluées. Hein, il y avait des grandes cheminées. Alors, les gens aimaient bien sortir l'été. Et Charlevoix était vu comme une terre du Nord. C'était un endroit où vous n'aviez pas chaud. Vous étiez bien. D'ailleurs, même, j'en ai parlé dans une conférence l'autre fois, les villégiateurs, ça faisait faire des bas, hein, parce qu'il y avait froid. Hein, c'est le surnom des Meurébé-Soc. Hein. Les artisans... Les bas de Meurébé, qui était le nom anglais de la Malbaie, là, qu'ils utilisaient. Ouais. Et donc, ça a été très important... cette présence-là, et ça a amené donc cette folklorisation-là aussi, et qui faisait que... Mais le temps d'une paix, par exemple, je tiens à dire, on voit des francophones, mais vraiment, ce qu'on avait dans Charlevoix, puis c'était vraiment une clientèle anglaise, américaine et ontarienne. Hein? Alors donc, ça, c'est particulier. Vous aviez beaucoup d'autres régions qui ont eu de la villégiature, mais une villégiature francophone. Charlevoix, on était vraiment... on avait une grande part. Moi, je suis né à Pointe-aux-Pics, hein, et on voyait
des Américains tout l'été. Les Américains. Maintenant, on n'en a plus. Hein? Mais c'était vraiment très, très fort à l'époque. Mais il y avait de l'autre côté du fleuve, il y a eu un grand centre de villégiature aussi pour les gens très riches et les snobs de ce monde. C'était Kakuna. Oui, absolument. Il y avait Kakuna. Donc, il y avait la Malbaie, il y avait Kakuna. C'est ça. Eux, ils sont développés plus avec le chemin de fer. Nous, c'était vraiment les bateaux. La croisière qui a demeuré jusque dans les années 1960. Hein? C'est ça. Alors, c'est ce qui fait que la plupart des villégiateurs ou des touristes pendant cette période-là venaient par bateau. Imaginez bien que c'était encore là spectaculaire hein, quand on faisait toute la croisière du Saguenay. Jusqu'à Charlevoix. Paysage merveilleux et eux, ils étaient... Alors, ça ajoutait encore au merveilleux. Là, on n'avait plus peur et on trouvait ça beau. Et aussi, on inventait. Bon, on a un document d'archives qui montre, entre autres, un dirigeant de la compagnie, la CSL, qui dit à Maurice Barbeau, « Pourquoi tu ne mets pas des légendes à tel village? » Alors, là, il arrangeait ça un peu, puis il plaçait telle histoire dans tel secteur, et ça faisait un récit. Et les gens pouvaient imaginer, donc, telle légende avec telle localité, la chasse-galerie. Là. Et puis, ça ajoutait encore à la folklorisation. C'est un phénomène universel, vous savez. Oui, oui. Pour vendre, il faut mentir un peu. Absolument. Quand on est en vacances, après tout, pourquoi pas? Imaginez-vous comment, à Paris, ils ont menti pour vendre cette ville. Oui, puis ça a bien réussi. Hein? Très, très grande réussite. Mais Marius Barbeau, qu'on considère l'anthropologue, le père d'anthropologie canadienne française aussi, a participé donc activement à la folklorisation de Charlevoix pour en créer, pour en faire un mythe, pour qu'on puisse se déplacer, que les Américains continuent à y aller, que n'importe qui, de consommateur de tourisme du début du 20e siècle, puisse y aller. Dans mon doctorat, je relève beaucoup de textes de Barbeau, mais enfin, en 1917, dans un de ses premiers textes qui s'appelle « Au pays des gourganes », parce que vous savez qu'on avait des gourganes dans Charlevoix, qui est un légume qu'on ne retrouve pas partout au Québec. Mais dans Charlevoix, il est demeuré. Ouais. Alors lui, ça l'avait bien frappé. Il s'est isolé. Ils ont des gourganes. Ailleurs, il n'y en a pas. Hein. Ouais. Alors il a dit... Mais par contre, il dit, dans son texte en 1917, la région n'est pas tellement isolée. Elle a des contacts avec plein d'eau. Parce qu'on avait les bateaux, on avait les goélettes. tout le monde voyait. En 1934, quand arrivent les bateaux, il fait un autre livre en disant, la région est isolée depuis 200 ans. Il n'y a presque personne. Il appelle le royaume au-delà de la Lune. Ouais. Imaginons, en voulant dire, je suis arrivé là. C'est la face cachée de la Lune. Puis les gens n'ont pas parlé du tout. Là-dessus, il revient un peu sur un historien anglais qui était venu, George Wang, qui est un des premiers historiens canadiens, en fait, qui a créé pratiquement l'histoire canadienne, où lui, il dit, je suis venu à la Malbaie, et son endroit, il n'y a pas d'histoire. Il raconte l'histoire des Écossais, des Nerds, francophones qui sont là depuis presque 150 ans au moment où il écrit ça. Alors donc, là, il s'est créé comme une historiographie qui fait que, quand on venait dans Charlevoix, on parlait des touristes et on ne parlait pas des gens du milieu. Et puis les gens du milieu, ce que j'appelle la culture de l'autre, un peu dans mon doctorat, on trouvait ça bien agréable. Et eux ne se racontaient plus non plus. Et puis ils racontaient surtout le fait qu'ils connaissaient des gens riches et célèbres. C'est quand même un pays de contes, un pays de livres, un pays de grandes histoires. Je ne l'ai jamais fait au Remarquable, j'oubliais, mais je voulais le faire, mais on n'en fait plus. Mais il y a Alexis le Trotteur qui a vraiment existé. Oui. Alexis le Trotteur, on a eu toute une histoire avec lui, vous savez. On l'a ramené dans Charlevoix après qu'il a été déporté et exposé pendant des années comme squelette dans un musée. Une histoire incroyable. Et comme le géant Beaupré. Oui, absolument. Mais sauf que le géant Beaupré, il n'avait jamais été enterré. Oui. Alors qu'Alexis le Trotteur, lui, on l'a exhumé. Ouais. Et on ne l'a pas réenterré 40 ans après. Alors finalement, il est réenterré. Là, on l'a ramené dans la région. Je dis, c'est une légende qui court toujours. C'est vraiment ça. La répercussion que ça a eue dans les médias, c'est incroyable. Et Alexis est devenu national maintenant. Ouais, hein, puis les gens s'identifient. Il faut dire que la course aussi a aidé, la popularité de la course maintenant. On s'est toujours posé la question. Si Alexis, le trotteur, avait été aux Jeux olympiques, qu'est-ce qui nous aurait sorti? Dans son temps, ça ne voulait rien dire. Parce qu'évidemment, personne pensait à des exploits sportifs. Personne n'a jamais enregistré ces exploits imaginés. Nous allons redresser un tort ici. On va parler d'un grand personnage que personne ne connaît, absolument pas. Mais Pantaléon Bouchard. Ça, c'est un grand personnage de Charlevoix. Vous l'avez connu? Je l'ai connu. Pantaléon, parce que c'était le voisin de mon grand-père. C'est son ami. Ouais. Et puis donc, pour nous, c'était fréquent qu'on le visitait. Il m'avait parlé de son histoire avec Jean-Charles Harvé, entre autres. Et Jean-Charles Harvé le considérait comme un très grand bonhomme. C'est incroyable. Plusieurs années après, il lui a écrit une lettre qu'on a copiée, d'ailleurs. Ouais. Je l'ai faite photocopier en disant, « Pantaléon, tu es demeuré toute ta vie sur ta terre, mais je regrette parce que ça aurait été un très grand cerveau. Ouais, » Puis étudier, parce qu'à l'époque, il y avait Forgette, qui était le député, avait fait une école modèle qui coûtait rien.
hein, qui était vraiment... Alors, le Pantaléon a pu étudier comme ça, et Jean-Charles Harvey était là. Mais évidemment, il y a eu une chicane de toutes sortes, là, ouais. Et l'école a fermé. Et Pantaléon, lui, ben, contrairement à Jean-Charles Harvey, qui avait une famille avec un peu plus d'argent, mais qui est devenu lui, il n'a pas pu continuer. Mais lui, il se disait, moi, j'ai réussi à devenir un grand... Toi, Pantaléon, tu avais... Enfin, quand il lui dit pratiquement, tu étais plus intelligent que moi, peut-être même. Jean-Charles Harvey, qui est un grand journaliste, un intellectuel, qui fait partie de l'histoire du Québec, dit, Pantaléon, mon cultivateur, t'étais le plus brillant de tous les gens que j'ai connus. Absolument. Cerveau les plus forts, qu'il dit. Et j'ai vu sa photo à Pantaléon, c'est un Indien. Il y a une face de montagnais. C'est un Indien montagnais. Il s'appelle Pantaléon Bouchard. Ça, moi, je trouve ça formidable. Mais vous dites que vous l'avez connu. En plus, je vais vous toucher. Je l'ai connu et puis je l'ai enregistré. Vous allez me signer un autographe. Ben, je ne sais pas trop. Mais moi, pour moi, c'est un personnage que j'admire beaucoup parce qu'il a un grand jugement et puis un conteur là, fabuleux. Hein? Quand je réécoute les enregistrements, là, je me dis, mon Dieu, on avait un grand conteur. Là. Ben, c'est pour ça que je l'ai attrapé. Vous venez de me démasquer. Je suis toujours en train de recenser les grands conteurs et l'oralité et la tradition culturelle orale et de tous ces gens-là. Pantaléon Bouchard était un beau représentant de Charlevoix. Sortir de sa cage et trouver sa voie, c'est un long voyage, arriver chez soi. Voici que ton pied s'amène sur la trace de nos pas. La vieille démarche humaine ne change pas. Avec un pied dans la porte, l'autre sous ton oreiller, il faut que ton chemin sorte de ton soulier. Sortir de sa cage et trouver sa voie, c'est un long voyage, arriver chez soi. La musique est ton armure, ton refuge et ton chemin. Elle est toujours le murmure d'un cœur humain. Son vieil ami, le silence, tiendra le journal de bord. Il est toute vigilance quand on s'endort. Sortir de sa cage et trouver sa voie, c'est un long voyage, arriver chez soi. Ainsi parlait le vieil homme à son pareil en départ, parlait à lui-même en somme, jamais trop tard. On a mis dans ton oreille la symphonie des sabots, la caravane pareille, le sable est beau. Sortir de sa cage et trouver sa voie, c'est un long voyage, arriver chez soi. Dans de grands bruissements d'ailes marqués du pas du tambour, les chemins d'amour t'appellent, le temps est court. Un jeune homme prend la route sous un regard qui le suit, l'amour, l'espoir et le doute sont avec lui. Sortir de sa cage et trouver sa voie, c'est un long voyage, arriver chez soi. Sortir de sa cage et trouver sa voie, c'est un long voyage, arriver chez soi. Serge Gauthier, si on parlait des femmes. Des femmes remarquables dans l'histoire de Charlevoix. Des femmes vraiment remarquables. Et on va parler d'abord de Laure Gaudreau, syndicaliste, si vous voulez. On va commencer par elle. Dites-nous. Peut-être en aparté, je vous dis, si on a un paysage qui est impressionnant, ben les personnages le sont aussi. Mais c'est parce que pour vivre dans... Je ne sais pas si c'est de l'anthropologie, mais pour vivre dans un milieu comme ça, il faut être débrouillard, il faut être... Alors donc, on a peut-être eu comme ça des images. Et dans le domaine du syndicalisme, ben, c'était très fort. On a eu d'abord Mgr Eugène Lapointe, qui a été le premier pionnier du syndicalisme catholique au Québec. Oui, qui venait de Charlevoix, qui venait du même rang que Laure Gaudreau. Le rang s'appelle Snigol, imaginez-vous. Comment il s'appelle? Snigol. Et ça vient du fait qu'il y avait des touristes anglais qui allaient pique-niquer là, avec des grandes robes, les dames victoriennes et tout ça. Puis évidemment, ils laissaient un peu de reste et les goélands arrivaient.
Et ça, les gens disaient, bon, c'est Laurent de Seagull, les Anglais. Les Seagulls. Mais les mouettes. Les gens ont traduit ça Seagull. Alors, maintenant, on a des affiches. Si vous venez à Clermont, vous allez voir le Seagull et vous continuez. C'était le rang où est né Lorgaudreau. Un rang très isolé où il n'y avait pas d'école. Où il n'y avait pas d'école. C'était quoi le nom de Clermont avant? Le nom de Clermont, on appelle ça la chute, parce que c'est la chute Nerne. Si vous connaissez la chute Nerne, le secteur, évidemment, ça a servi pour l'usine qui maintenant est toujours là, d'ailleurs. Lorgaudreau. Alors, Lorgaudreau, bon, elle n'a pas d'école dans son rang, et c'est sa mère qui lui fait l'école. Et puis, tout d'un coup, vers 10-11 ans, où elle décide d'aller étudier chez les sœurs de la Charité à la Malbaie, qui était loin à l'époque, quand vous habitiez un rang comme ça. Oui, là, Clermont, la Malbaie. C'était loin. Hein? Oui. Alors, les sœurs disent, non, elle ne pourra pas... commencer, elle n'a jamais été à l'école. Alors, ils lui font passer des examens. Puis finalement, bon, la religieuse dit à ses parents, pas de problème, elle est en avance sur les autres. ouais. Et elle a pu commencer. Et en très peu de temps, elle a fait tout son cours. Ce qui fait qu'à 16 ans, elle enseignait dans une école de rang. Là. Une école de rang, vous à savez ce que c'est. À 16 ans, elle est maîtresse d'école dans une école de rang. Absolument. Et une école de rang, pour ceux qui sont plus jeunes, ça veut dire que vous aviez les 7 années, là, hein? Vous aviez rendu en 7e année des élèves, des garçons surtout, qui étaient plus grands que la maîtresse. Hein? Comme alors, dans l'histoire de... voyons, je cherche là l'histoire de la professeure à Sainte... Oui, les filles de Caleb. Oui, c'est ça, exactement. Alors donc, vous aviez... elle n'avait vraiment pas peur, c'est une femme de pogne et de caractère. Elle devient journaliste aussi plus tard, parce qu'elle se dit l'enseignement, c'est très dur, mais elle a une petite chronique... dans son journal, et c'est plutôt des institutrices qui lui écrivent. On a de la misère. À l'époque, vous aviez une commission scolaire par village, par paroisse. Hein? Et bon, les femmes faisaient le ménage de la salle, pelletaient la neige, on connaît bien. Alors elle s'est dit, moi, je vais faire changer ça. Son slogan à Lorgaudreau, j'aime beaucoup, moi, en histoire, je pense que c'est important, elle disait, c'était pas le bon vieux temps, on s'est arraché le cœur à le changer. Il faut penser à ça. Il ne faut pas voir l'histoire c'est beau, hein, comme une nostalgie. C'est elle, c'était ça. Elle aimait le passé, elle aimait l'histoire. Mais il ne faut pas rester accroché à non, ça. Non, parce qu'on s'est arraché le cœur à le changer. C'était sa vie. Elle a créé les premiers syndicats, les institutrices rurales. Par la suite, bon, on la considère maintenant comme l'ancêtre de la CSQ, si on veut, ou de autrefois de la CEQ. CSQ, j'avoue que maintenant, j'aurais un peu de misère. J'ai même fait une conférence à un moment donné pour expliquer ça. Je crois qu'elle aurait... Elle-même, elle avait dit, je crois que j'ai créé un monstre avec les syndicats, là. Et puis, mais il reste que, quand même, on peut lui attribuer une origine... Une des mères du syndicalisme... enseignant, oui. On peut dire que c'est la pionnière du syndicalisme enseignant. Oui. Et elle est partie de Charlevoix. Et pour faire le tour du Québec, imaginez, les routes de Charlevoix étaient misérables dans ce temps-là. Elle voyageait partout, elle avait son chauffeur. Et puis, c'était la première syndicaliste à temps plein, rémunérée au Québec. Lorgaudreau. Est à retenir, vraiment. On a une écrivaine qui est remarquable, Laure Conant. Oui. Tout à fait autre personnalité, beaucoup plus refermée, femme qui a eu une grande peine d'amour avec le député Pierre-Alexis Tremblay, un grand personnage qui a été un peu à l'origine du fameux slogan là, des élections... le ciel est bleu et l'enfer est rouge. Parce que lui, il a poursuivi les curés qui, à l'époque, étaient intervenus dans son élection pour dire « Vous allez voter pour le candidat, l'adversaire de Pierre-Alexis Tremblay parce que c'est le frère d'un évêque. » Alors donc, les gens faisaient des discours contre Pierre-Alexis Tremblay et il a fait un procès. Alors lui, il était très impressionnant et Lorgaudreau s'en est été amoureuse de lui, mais il ne l'a jamais épousé. À partir de là, bon, elle a composé le fameux roman « Angéline de Montbrun », qui est l'histoire d'un amour très, très triste, hein, et d'une femme très déçue. Et on considère que c'est le premier roman psychologique, on peut dire, au Canada français, au Québec. Hein. C'est ça, à l'époque, on écrivait des choses épiques, là. Mais elle, c'était une histoire d'amour. Et c'était avant-gardiste. Et ça s'est fait tout à la Malbaie, ça. Oui, c'est assez... D'ailleurs, c'est une histoire assez compliquée et assez tordue, donc très psychologique, très moderne. C'était très mal reçu à l'époque. Ils ne comprenaient pas trop ce que leur connaît. Étonnamment, elle a reçu un prix de l'Académie française, Laure Conant. Oui, bien sûr. De son vrai nom. Non, mais c'est une grande écrivaine. Oui. Et elle connaît... Félicité Anger, c'était une famille de commerçants. Il y avait même un forgeron. Et c'était pas une famille... Vrai nom, Félicité Anger. Félicité Anger. C'était une grande amie d'une autre grande écrivaine méconnue, première journaliste qui était correspondante dans les journaux, Robertine Barry. Absolument. Puis qui était donc des... Robertine Barry qui était venue au monde dans la région... qui était venue au monde dans les îles, mais qui était aux Escoumins.
Donc, qui faire des tours à la Malbaie. Qui allait très très souvent, qui allait très très souvent à la Malbaie, qui allait voir Laure Conant. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'histoires. Si on parlait, vous avez dit Laure Gaudreau se promenait. Un des problèmes de Charlevoix, ça a toujours été les transports, les côtes. Même aujourd'hui, quand tu es au mois de novembre, tu vois une tempête de neige d'un côte de Charlevoix, c'était pas drôle. Oui, et puis c'est vraiment d'où vient l'origine un peu de ce qu'on a associé à Charlevoix, l'isolement. Bien que les 6 mois où on pouvait naviguer, les gens n'étaient pas si isolés que ça. Hein. Les gens allaient à Montréal, il y avait des goélettes. Nos goélettes étaient célèbres à l'époque. Hein. Alors donc ça permettait. Mais l'hiver, c'est sûr que là, vous aviez un grand isolement. Et le chemin terrestre, n'était pas facile. C'est sûr que je me rappelle, moi, dans les années 1960, c'était encore difficile. Il y a eu un travail. Et il y a le train, on l'a eu beaucoup plus tard. Hein, là, il vient de repartir, d'ailleurs, avec le projet de Daniel Gauthier. Là. Mais c'est 1920, à 19, que le train, finalement, entre Québec et la Malbaie. Dans le temps de et paix. C'est à tel point que, quand il apparaît, là, il est déjà désuet. Autrement dit, les gens sont plus intéressés. Ils commencent à avoir des autos et les gens voyagent toujours avec leur goélette. Alors, notre train, il est resté un peu... les transports ont toujours été un problème. Et... les gens ont lutté beaucoup pour ça. Et je pense que ça c'est une caractéristique. Là. Oui. La région est devenue, avec le temps, est devenue touristique. C'est sa définition première, parce qu'elle va garder sa bonne réputation. Dans un Québec qui va se métamorphoser dans les années 60, 70, et où il va y avoir plus de vacanciers, plus de vacances, plus de chalets, les gens de Québec vont... Là, la région va se transformer, mais encore plus se folkloriser d'une certaine façon. Oui, puis peut-être aussi devenir plus isolée, peut-être d'une certaine façon qu'elle l'était à l'origine. Mais il ne faut pas oublier que Félix-Antoine Savard, un autre grand personnage, qui a écrit Menot dans Charlevoix. Menot, maître de Ravard. Dans Charlevoix, il y a 3 pays. Hein, donc la terre, la mer et la forêt. Et on retrouve tout ça. Et les 3 ont leur économie. La mer, c'est le cabotage. La forêt, évidemment, l'industrie forestière a été très, très présente dans Charlevoix jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et l'agriculture dans beaucoup de secteurs qui s'est développé. Les années récentes, par exemple, on retrouve beaucoup de nouveaux produits qui sont du terroir, liés à Charlevoix. Oui. Alors donc, il y a eu abandon de ces 3 secteurs-là. Et on s'est retrouvé dans les années 60-70 avec une industrie touristique qui, une fois que les bateaux blancs sont terminés, les fameux bateaux de croisière, était un peu déclinante. Alors, on a eu un problème là, de relance. Et c'est les gens du milieu, parce que les gens de Charlevoix, d'une certaine façon, je ne sais pas qu'ils étaient paresseux, mais dans l'industrie touristique, on voyait arriver les bateaux, ils repartaient, et puis on n'avait pas à bouger quoi que ce soit. Hein, on ne faisait même pas de publicité. Ça venait tout seul. Ça venait tout seul. Alors là, il a fallu apprendre à développer les associations touristiques. Là, et ça a fait que c'était une période souvent un peu chaotique. Il y a eu les événements avec le manoir Richelieu, qui... autrefois, était un joyau presque inaccessible. Pour les gens de Charlevoix, on n'allait même pas, on regardait ça de haut. Hein. C'était les Anglais qui étaient là. Et même au début, on tournait un peu avec notre auto, mais c'était juste là. Avec mon père, on allait là, puis on débarquait pas. Alors, mais après ça, on était obligé de le prendre en main. Il a même été nationalisé. Il est devenu un bien d'État. Alors donc, les années 60-70 n'ont pas été faciles. Et maintenant, on arrive encore à des redémarrages. Et l'industrie touristique, c'est jamais sûr. S'il fait beau, il fait beau. S'il fait pas beau... Debout sur la...
Serge Gauthier, vous avez publié beaucoup de livres sur votre pays. J'en ai un ici, aux éditions du Trois Pistoles, Contes, légendes et récits de la région de Charlevoix. Alors, c'est le pays du huitième jour. Vous dites, parlez-nous-en de ces... Oui, parce qu'on parlait évidemment que le paysage est important, mais une chose qui était, si vous lisez évidemment la création du monde, la Genèse, on a toujours entendu dire qu'il y avait eu 7 jours de la création, mais évidemment, il y avait un quêteux de Charlevoix qui, à l'époque, trouvait quand même que les montagnes étaient difficiles à marcher pour un quêteux. Et on voulait un petit peu aux gens dur de Charlevoix. Dur d'être quêteux dans Charlevoix. Exactement. Alors donc, lui, il a inventé cette histoire-là qui est assez amusante, où on dit... Dieu, le septième jour, on sait, il s'est reposé. Il était fatigué. Et le huitième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne travaille pas plus, là, mais je donne un petit peu de terre à Satan pour s'amuser. Et Satan s'est amusé. Il a essayé de construire lui aussi, de créer quelque chose. Et c'était évidemment la Côte du Nord ou Charlevoix. Mais Satan, on dit, a eu un peu une difficulté. Et c'était coûteux, c'était chaotique. Ça, ce sont des brouillons de Satan. Exactement. Et donc, Dieu a dit à un moment donné, arrête. Là, c'est assez, arrête, tu réussiras pas. Et il a laissé l'œuvre un peu inachevée, ce qui fait qu'on voit qu'il y a des montagnes un peu partout. Et le quêteux, qui s'appelait Pierre Riche d'ailleurs, parce que les quêteux devenaient riches, disait, en plus, il a fait venir tous ses ennemis, Satan, puis il avait mis tout son monde là-dedans, puis c'est pour ça que les tremblés, puis les ci, puis les ça, sont si détestables. c'est pas vrai. Ouais. Si vous venez dans Charlevoix, vous allez être très bien reçu. c'est drôle, je trouve que la version de Pierre Riche a beaucoup de bon sens. Oui, ah oui, c'est un gros bon sens, même. Puis, les tremblés sont détestables, et parce que c'est des alliés de Satan, finalement. Absolument, c'est ce qu'il disait. Bon, c'est une belle histoire, mais vous en avez des contes et des contes et des contes. Oui, comme c'est un terreau fertile. D'abord, il y a des conteurs. On a parlé de Pantaléon Bouchard, il va en avoir plusieurs. Ben oui, les conteurs, j'en cite quelques-uns comme Palémon Gauthier, par exemple. Il y a un autre nom. Où est-ce qu'on prenait les noms? Pantaléon, je sais d'où il vient, c'est Pantaleone. Oui, absolument, c'était italien. C'était des surnoms, souvent. Ouais. Et donc, ces gens-là allaient dans le bois là, pour raconter aux bûcherons. Alors, imaginez, c'était pour les tenir parce que les gens jumpaient. C'était des conteurs quasiment professionnels qui allaient faire des spectacles. Ils étaient payés par les compagnies, parce que les compagnies perdaient leur personnel. Alors là, ils disaient, essayez de les garder. Et puis là, évidemment, ils comptaient un soir, le compte s'arrêtait.
Bon, je vais continuer le lendemain. Alors, ah, les gens suite disaient, au lendemain. Bon, alors, comme ils étaient tellement intéressants, les bûcherons restaient tout l'hiver. Et ouais. Ils étaient... Alors, c'est que ça a créé ça. Et comme on a parlé un peu de l'isolement, ben les gens racontaient. Il y avait des soirées. Je regarde Pierre Perrault, par exemple. Il est venu dans les années 50. C'est pas si vieux. Hein? Non, et ça. On voit encore les soirées de contes, les soirées de chansons à Saint-Hilarion. Entre autres, c'est incroyable. Et les gens se divertissaient comme ça. Et ça, c'est resté jusqu'à récemment. Moi, je trouve, c'est sûr que... si on regarde maintenant, ben, peut-être c'est un peu moins présent. Mais on continue, nous, on est là pour ça. Mais, ben, vous parlez de Pierre Perrault. Pierre Perrault va établir une tradition qui n'était pas facile à établir, donc à aller chercher. C'est la grande époque, l'âge d'or de l'Office national du film du Canada. Et c'est jeune, Pierre Perrault est plus jeune, et il va nous laisser léguer un cadeau extraordinaire qui est la parlure ancienne qui a tellement été dévalorisée par les régions anglophones, par les snobinards, par les l'élite, ben, beaucoup parce par les Français. Parce qu'ils vont au Festival de Cannes et puis ils sont obligés de sous-titrer. Alors que nos gens de l'île aux côtes, de la trilogie des locaux, de les voitures d'eau, pour la suite du monde, le règne du jour, c'est de l'ancien français. Et les Français ne le comprennent plus. Non, mais ça, c'est normal qu'ils ne le comprennent plus. Ouais. Mais c'était tellement beau d'entendre parler. Absolument. Mais c'est tellement des personnages fabuleux comme Grand Louis, c'était des conteurs, oui, Alexis, Tremblay. Alors imaginez tous ces personnages-là. Que vous mettez dans une cabane en bois rond. Lui, il était content, Pierre Perrault, d'avoir retrouvé ça, parce qu'évidemment, il voulait montrer une certaine image de notre tradition qui n'existait plus beaucoup ailleurs. Hein. Bon. Il avait retrouvé un peu à Montréal aussi, dans son dernier livre, des gens de l'île qui venaient travailler comme débardeurs. Hein. Bon, c'était, oui. C'était très intéressant. Alors donc, Charlevoix a été quand même à conserver un peu de nos traditions. Il y a même eu un premier ministre, Robert Bourassa, qui avait dit dans une campagne électorale, peut-être pour gagner des votes, mais j'avais trouvé ça intéressant. Charlevoix est le comté le plus québécois du Québec. Ah, il y avait dit ça. Oui, puis ça ressemble un peu à ça, dans le fond. On a pourtant, une population qui a gardé beaucoup de choses dans l'artisanat, dans les contes et légendes. Et c'est peut-être l'isolement, mais c'est aussi peut-être une volonté de témoigner de ce qu'on est. Mais pourtant, c'est un endroit aussi où il y a eu beaucoup d'Écossais, d'Anglais, d'Américains. Un grand métissage aussi. Un grand métissage. Qui a réussi à part de ça parce que les Écossais mariaient des francophones et puis ils étaient obligés par les curés un peu de se convertir. Hein. Ben et oui. Puis ils trouvaient plaisir aussi. Oui. Hein. Alors donc, ils ont parlé français. Alors donc, on a une région à 99% français et il n'y a jamais eu de loi pour franciser. Pour franciser. Le rêve des seigneurs écossais comme John Nairn et Malcolm Fraser voulait faire une nouvelle Écosse. Parce qu'ils trouvaient que ça ressemblait un peu à l'Écosse, le territoire de Charlevoix. C'est vrai. Et ils se sont dit, bon, mais ils ont échoué là-dedans. Mais finalement, devenu une Nouvelle-France, en quelque sorte. C'est ça. Et là, c'est là qu'on trouve, vous avez visé les noms, les Blackburn, les McNichol et les McLaughlin, qui sont on a eu des McLean aussi dans Charlevoix. C'est plusieurs, ça. Plusieurs noms. Plusieurs noms. Maintenant, l'avenir de Charlevoix, là, parce que le temps file, vous dites, bon, là, le tourisme international, ça a changé un peu, mais il y a encore... une activité très, très importante dans Charlevoix. C'est ça une activité touristique qui est très importante et c'est une région, évidemment, qui se cherche et qui devient peut-être, d'une certaine façon, plus excentrique qu'elle l'a été, dans le fond, parce que c'est un coin où on n'a pas un développement économique majeur, où les jeunes s'en vont naturellement, comme dans toutes les régions québécoises. Alors donc, la région a un défi, mais il y a quand même des... Comme je vous parlais tout à l'heure de la relance de l'agriculture, maintenant, on connaît l'agneau de Charlevoix. Oui, l'agneau de Charlevoix. C'est des choses que les jeunes n'en mangeaient pas. Hein. Moi, mon grand-père, ça coûte la laine. On n'en mangeait bien pas sûr, du tout d'agneau. C'était terrible. Et là, c'est relancé maintenant. Et puis, bon, alors ça, c'est des éléments où on... Mais je dis, quand on revient à... Et c'est pour ça que nous, la Société d'histoire, on veut continuer ça et garder ça. Et puis je me dis, inspirez-vous de ça et vous allez avoir... Que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit les bateaux, par exemple, on en a parlé. C'est dommage qu'on ait plus ça, cette industrie. Un peu, là, ça recommence à les locaux de l'industrie océan. Mais regardons ce qu'on avait comme richesse. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans Charlevoix. Oui. On n'est pas prêt de fermer, là, j'espère, en tout cas. Il y a un mouvement mondial planétaire qui dit que nous devenons tous des urbains et l'avenir est au mégalopole, donc c'est sûr qu'on va fermer Charlevoix. Mais quand on va fermer Charlevoix, on va fermer aussi l'Abitibi, la Gaspésie, la Côte-Nord, puis on fera une seule ville, deux. Ce serait dommage, quand même. Deux, Montréal. Bien que Montréal est bien agréable, mais moi, je crois qu'il faut garder ces régions-là et que les régions du Québec, on n'a pas ressorti tout le potentiel. Et nous, on en a une en particulier. Puis comme je dis, on est intégré dans la grande région de la capitale nationale maintenant. Mais
Il faut garder Charlevoix. Moi, je lutte pour, et on continue de lutter pour que le père Charlevoix soit un nom demeure et qu'on ne dise plus Charlevoix, telle localité dans la région de Québec, mais toujours la région de Charlevoix. On est une région culturelle, pas administrative, mais c'est important de garder cette culture-là. Eh bien, là, j'ai plus rien à dire. Rendu là, Serge Gauthier, un gros merci. Vous merci. Aimez tellement votre région, votre pays, Charlevoix, qu'on va vous souhaiter toutes les chances. Merci d'être venu sur les chemins de travers et d'avoir partagé votre passion avec nous. Alors là, eh ben, il faut que je, ben, il faut qu'on prenne le chemin. Les chemins de travers, on va prendre le chemin de la sortie. Je vous rappelle sur Charlevoix, là, les références. Charlevoix, la création d'une région folklorique, étude du discours du folkloriste québécois aux éditions des presses de l'Université Laval. Hein. Ça, c'est une de vos publications. Histoire de Charlevoix, histoire en bref, les éditions de l'IQRC. Ça, c'est intéressant. Alors, si je remonte le cours de l'émission, je monte ou je descends? Enfin, c'est dans le sens du pas du poil, mais du fleuve. Ben, je vais remonter. C'est bon, si je remonte, je remercie bien sûr Annie Dulon, qui en première heure nous a parlé de l'imaginaire du 11 septembre. Cécile Rousseau, on la remercie beaucoup, psychiatre transculturel, qui nous parlait du pardon. Benoît Mouvaneza, survivant du génocide au Rwanda, qui nous a parlé de son témoignage et du pardon, c'est très, très touchant. Serge Gauthier, qui est venu partager avec nous sa passion, sa folle passion pour un beau, 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 beau pays, qui est le pays de Charlevoix. Alors, Serge Gauthier, vous êtes encore devant moi. Une autre fois, je vous remercie. La semaine prochaine, sur les chemins de travers, nous allons parler, et ça devrait vous titiller, nous allons parler des griots africains, donc des conteurs de... c'est énorme, ça ne s'arrête pas à l'histoire qu'on raconte. L'Empire mandingue jusqu'à nos jours, on parle de l'oralité, on a déjà abordé la question avec les conteurs. Donc on va parler des pantaléons bouchards, mais en Afrique. On va parler de l'oralité et nous avons aussi, nous allons consacrer une heure sur un sujet qui m'a toujours bouleversé, puis qui va bouleverser bien les gens, sur la sédentarité et le nomadisme, et les nomades et les sédentaires, et les nomades sédentarisés. Donc on va parler probablement des Innus, des Inuits, puis on va faire un voyage à travers le monde aussi à propos de cette question. Nous avons parlé, c'est la fin, hein, c'est dimanche 11 septembre, imaginez-vous, on achève cette commémoration, cette semaine, et j'imagine que nous sommes tous bien fatigués d'avoir entendu parler de... Mais demain, c'est le 12 septembre, et c'est là que la partie se joue, c'est qu'il faut continuer, la vie continue. Madame Rousseau nous le disait, c'est dans la quotidienneté que l'épreuve se trouve. Alors soyons courageux demain quand on va se lever. Recherche, Stéphanie Quitambeau. Réalisation, Stéphanie Quitambeau. Martin Lavoie est à la technique, adjointe à la réalisation, Myriam Uzel. Serge Bouchard, au microphone. C'était Les Chemins de Travers, puis la semaine prochaine, soyez au rendez-vous, c'est la dernière de la saison. Au revoir, bonne semaine.